Coucou les charquis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Adventures of Lolo, sorti sur Game Boy. C'est une sorte de jeu de puzzle. Au début, vous avez un tutoriel. C'est d'ailleurs ce que vous allez voir tout le long de cette vidéo. En fait, il n'y a pas qu'un tutoriel. Le premier vous présente les personnages et comment les affronter au mieux. Il y a aussi, par exemple, les environnements et ce genre de choses. Certains ennemis sont quand même difficiles à éviter lorsqu'il n'y a pas assez d'ennemis légers à portée de main. Je pense notamment à Méduse qui, comme dans la mythologie, fige, enfin ici fait mourir, son vis-à-vis. Et comme si ce n'était pas assez difficile comme cela, vous n'avez pas à la regarder, c'est si vous êtes devant, derrière, à sa gauche ou à sa droite que vous serez touché. Il n'y a pas d'autre alternative que de transformer un ennemi faible en un œuf pour lui boucher la vue à un endroit précis. Alors j'imagine ce que vous vous dites, que ça ne va pas être évident à finir. Dans l'immédiat, je ne peux y répondre. Ce que je peux vous affirmer sans me tromper, c'est qu'à force de mémoriser qui fait quoi, je pense sincèrement qu'il y a une belle opportunité de le finir. Concernant Lolo, il est assez maniable, un peu trop parfois, au point de transformer et bouger l'œuf en même temps. Ce qui n'est pas très pratique si vous êtes près d'un mur. Mais ne désespérez pas, je pense sincèrement que c'est un jeu qui doit vraiment être sympa. Bon jeu les charquis!
Wow.